Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour ce premier épisode de ce let's play, de ce playthrough sur Bloodborne. Alors pour ceux qui m'ont suivi sur mon immense playthrough Dark Souls 2, eh bien écoutez, bonjour, salut à vous, salut, re-bienvenue. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, comme d'habitude, hein, laissez vos chaussons à l'entrée et puis prenez un truc à manger dans le frigo et on va se faire une bonne grosse partie de Bloodborne. C'est moi qui vous le dis, amicalement renommé Bloodborne pour l'occasion. Et puis, c'est parti sans plus attendre, on va vraiment se lancer dans l'aventure. J'espère vraiment que on va avancer, quoi. J'ai pas envie de rester bloqué 10 ans. Quand on regarde vraiment le début de Dark Souls 2, c'était une catastrophe au niveau du skill. Et là, vu que je dois tout réapprendre, écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Par contre, alors je vais jouer hors ligne. Là, j'ai vraiment mis la galette et puis voilà. On se lance tout de suite. Donc ça a créé les données, j'espère que ça n'a pas duré 10 ans. Non, c'est bon. Alors paramètres. Au niveau des commandes, on verra. Environnement, qu'est-ce que... Avec les sous-titres, afficher la TH, ouais, tout ça c'est bon. La luminosité. En fait, je sais pas trop si vous voulez par rapport à mon logiciel de capture, hein, de mon AverMedia. Je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la luminosité, j'ai pas trop de retour là-dessus, donc bon, on va mettre à 7, voire 8, ouf. On va mettre à 7. Ouais, allez, 7 c'est bien. La langue, apparemment il y a du français, donc c'est cool, mais je pense qu'au niveau du texte, on va mettre en français, hein, c'est normal. Par contre, pour les voix, j'ai peut-être... putain, en italien quoi, hey, buongiorno. Ça doit être marrant ça. Non, on va mettre de l'anglais. Voilà, du pur anglais, comme ça. Voilà, je... C'est pas que je veux pas, absolument pas écouter des voix en français, c'est juste que... Je sais pas, j'ai toujours joué un jeu Souls en anglais. Voilà, je vois pas pourquoi ça changerait. Je préfère ça. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir se créer une nouvelle partie. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai hâte. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de poser mes mains sur le jeu. D'ailleurs, j'ai pas dit, aujourd'hui on est bien le 25 mars 2015. Et il est, si je regarde bien, hop là, 17h07. Hop. Allez, bah écoutez, c'est parti. Hop. Donc, oui. Hop, ok. D'accord, ils me remettent tous les trucs. Ah, c'est bon, je me suis fait chier à le faire avant, donc t'inquiète pas. Hop. Oh, yeah. Pale blood. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Ah, ok. Me disais, wow, qu'est-ce qu'il va me faire signer, lui? Donc, saisis-leur le nom. Bah, là, je ne sais honnêtement pas si je me fais un homme ou une femme. Je sais vraiment pas. Je me verrais bien. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je fais une femme, là, pour histoire de varier, enfin, histoire de varier sur le live, il faudra que je fasse, parce que je ferai en parallèle aussi des sessions en live sur ma page Twitch, hein. Les liens sont dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mais, ouais, donc le samedi soir, hein, je fais des lives. Donc ça veut dire, parce que j'aimerais bien varier, j'ai pas envie de faire que des femmes, et en même temps, un homme ne m'intéresse pas vraiment des masses. Non, je ne ferai pas Sonico en vidéo, tout simplement parce que Sonico, ça a toujours été dans les jeux Souls, mon perso main, parce que j'avais recommencé le jeu avant, donc c'est pour ça en fait. Si on peut pas réinitialiser les stats, je n'oserais pas commencer une Sonico maintenant au risque de la perdre. Écoutez, une femme, on va faire. Tant pis, on verra en live ce que je ferai. Hein. Je ferai un homme avec des cheveux blancs, je pense. Donc, âge. Âge mûr. Ouais, en gros, une MILF ou... Allez, non, une jeune. Pour le nom, je verrai après. Origine. Voilà. Qu'est-ce que...
Ah, c'est quoi ces noms? C'est quoi ces noms? D'accord, ok, c'est trop bizarre. Y a rien de... Ah ouais. Ah, je m'attendais pas à voir guerrier, machin, c'est sûr. Je rappelle que c'est vraiment un jeu qui n'a plus rien à voir avec les jeux Souls d'une manière générale. C'est Bloodborne, voilà. On a les jeux Souls et on a Bloodborne. Donc c'est... Ouais, mais c'est vrai que c'est... Tous vos attributs sont moyens. Alors... D'une manière générale, il me faudrait pas mal de vitalité et d'endurance histoire de commencer. Donc là, je vois déjà j'en ai 14. C'est pas mal. Par contre, j'ai 11 et 10. Alors, c'est ma dextérité. La dextérité, c'est devenu compétence. Pourquoi pas? Écoute, c'est un choix. Je suis moyennement d'accord, mais bon. Donc compétence à 10. Là. Ah, mais c'est pas bien. Ouais. Une plus grande résistance. Attends, parce que t'as vitalité, endurance, force, compétence. Les échos de sang, je sais pas ce que c'est. Le niveau, ouais, bon, d'accord. Teinte sanglante et ésotérisme. Alors là, phase de paix oblige. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Dans un premier temps, on va aller dans ce que je connais bien. Oh putain, mais. Ça c'est marrant, il n'y a pas de build de force à proprement parler hein, dès le début. Là, vétéran de guerre, t'as 14 et 13. Bon, par contre, t'as aucune vitalité, aucune endurance. Donc en fait, tu vas taper plus fort en commençant par ça. Ah si, c'est celui-là, passé violent. Difficile, mais donne plus de force. Oh, honnêtement, je sais pas du tout par quoi commencer. Celui-là a l'air équilibré, il a pas mal de vie en plus. Après, 11 en endurance, il y a pareil ailleurs. Passé violent, en fait, s'il y a beaucoup trop de force, je sais pas si... Je sais pas, ça me paraît peut-être un peu élevé, commencer comme ça. Ah, c'est dur, hein. Je suis désolé, hein. La première vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer. Je sais pas si elle va durer peu de temps pour que j'enregistre une deuxième dans la foulée, ou si j'en fais une grosse pour commencer, demain j'enregistre une ou deux. Honnêtement, je sais pas encore comment je vais me démerder. Vous verrez bien. Vous verrez bien sur le coup. Donc, honnêtement, je sais pas par quoi commencer. Le début des jeux comme ça, c'est toujours un peu la merde. Je suis désolé, hein. Vraiment. Mais le début d'un personnage n'est pas anodin, n'est pas anecdotique. Enfin, pour le début, quoi. On va dire. Ah, je sais vraiment pas. Le dernier survivant m'a l'air sympathique quand même. Hein. Puis comme ça, après, je peux me baser vraiment sur tout ce que je veux. Puisqu'on a 7 et 7 en bas, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en plus, c'est assez. Pas élevé, mais c'est pas trop mal. Allez, je pense qu'on va aller sur dernier survivant. Puis c'est plutôt sympa comme titre, hein. Dernier survivant. Apparence, bien sûr. Alors là, je vais me faire plaisir. Hein. C'est ce qu'on peut appeler aussi le laboratoire des horreurs. Putain, il y a des voix! Oh, tu aimes ça, ma cochonne? Crie pour moi! Non, là, ça fait un peu flipper quand même. C'est bien qu'il y ait des voix. Le problème, c'est qu'il y a trop peu de choix. C'est vraiment tu passes du coq à l'âne, quoi. C'est soit t'as une voix d'une jeune pucelle, soit t'as une voix de mamie, quoi. J'aimerais bien un entre jeune et mature, quoi, mais. Bon, on va prendre la voix de jeune, allez. Carrure. Oh putain. Non. Très mince, ouais. Je vais. Attends. Fais voir par rapport à. Standard, d'accord. Mince. Très mince. Charpenté. Très charpenté en haut. Ouh, charpenté en haut. D'accord. Quand on dit que manger, ça descend tout sur tes cuisses. Oh putain. Ouais, franchement, je vois pas énormément de différence. Ouais, non, elle est mince. Parce que très mince, ça fait vraiment squelette. J'aime pas. Enfin, déjà que là, c'est pas extraordinaire. Au niveau de la tête.
poitrine. Ah! Enfin! Enfin! Un jeu où on peut modifier la poitrine! Alors, évidemment, excusez-moi du test, hein. Putain, on peut pas faire plus vite. Ah, modifier par 10. Hop là! Bien! Bon, allez. On va quand même faire un truc correct. Ça change pas énormément en plus, hein. C'est ça qui est délirant en fait, c'est que ça change pas tant que ça. Hein. On va mettre à 115, hein. C'est pas Sonico, donc on n'a pas besoin de travailler 10 ans le. Parce que Sonico aussi, hein, sur les jeux Souls, généralement je passe, je sais pas, une grosse demi-heure à essayer de la créer, quoi. Pour faire un truc vraiment correct. On va mettre à 120 le. Ça. Abdomen pas énorme, les bras, les jambes. Oh non, c'est bon. Hein. Alors, ouf. Ok. Hop. Alors, oh putain. Bon. je me crois trop dans ces phases-là comme un chirurgien, tu sais. Le mec, il est là avec son scalpel et tout. Oh putain. Bon, passez-moi l'éponge, là, parce que... Je sens que je vais suer un moment. Hein. Alors, couleur de base, blanc comme un cul. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... Oh putain. Oh oui. Oula. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Non, là, c'est sombre un peu plus. Ouais. Prédéfini, similaire, trait du visage. Alors, moi, je veux jeune à la base. Ah oui, d'accord, tu peux faire des zooms. On va mettre un âge de 25 ans, c'est très bien. Type de visage. Féminin. Oula, d'accord, féminin, elle a des gros yeux, ok. Ouais, on va se détendre un peu quand même. On va même lui faire des petits yeux. Ouais, un peu plus. Voilà. Degré de modification. Donc ça, de base, c'est à 128. Ouais, d'accord. Ok. C'est un peu... Ouais. Il y a pas mal de choix, mais... Parce que c'est comme dans tous les jeux Souls. Hein. Tu vas passer 10 ans à faire la tête de ton personnage, alors que tu sais très bien que tu verras jamais... Tu la verras jamais vraiment là, au niveau de la face, quoi. Tu verras toujours son cul, quoi. Et son magnifique dos. Couleur de... Quand elle n'a pas la colonne vertébrale brisée, bien sûr. Couleur de la pilosité des cheveux. Alors, je veux quelque chose de d'assez orangé, mais un peu jauni. Un peu plus rouge que ça. Alors après, j'ai pas envie que ça fasse boucle d'or non plus. Un peu délavé, peut-être. Pas trop mal comme ça. On va laisser comme ça. Par rapport à ce que je veux, c'est pas mal. Alors, les cheveux. Ok, on a légèrement dégarni. Pas de cheveux. Alors, évidemment, ils ont encore mélangé les cheveux pour femmes et les cheveux pour hommes, j'ai un peu l'impression. Oula. Ok. Ah, y a de quoi faire de... Alors ça, clairement, les cheveux de Sonico, hein, je pense. À moins qu'il est plus long. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, non, remarque, ceux-là sont pas mal. Ah. C'est très sympa. Oh là. Qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre? Oh là là. Ah bon. Alors déjà, je suis content. Il n'y a pas la coiffure que je voulais. Enfin, disons une coiffure que j'avais pensé faire, mais elle n'a pas l'air d'y être. Donc du coup, on va choisir quelque chose de... En fait, j'aurais voulu des cheveux mi-courts, en fait. Pas forcément très très courts, mais pas forcément très très longs non plus. C'est des cheveux moyens, quoi. Mi-courts, mi-longs, mi... Bon. Bon, bah écoute, c'est pas trop cela que je voulais, mais allez, on va prendre cela. Couleur des cheveux, c'est bon. Sourcils. Bah, des sourcils très fins, de préférence. La monobarre, la fameuse monobarre avec laquelle tu ne peux pas être sérieux.
Ouais, plutôt comme ça. Et une couleur... Bah, noire, en fait, à la base. Voilà. Ouais, ils sont peut-être un peu trop invisibles. Ah, pas mal, ceux-là. Voilà, bien. Parce que quand même, faut quand même qu'elle ait des sourcils, la pauvre demoiselle. Oh, de la barbe. Une femme à barbe. Une femme à barbe. Des cils, ben des gros cils quoi. Enfin un truc. Attends, mais comment tu peux voir ça attends. Même en zoomant au max, je suis désolé gars, je vois pas. Bah des sourcils classiques, un truc. Voilà, un truc de femme quoi. C'est un truc, voilà. Je m'aime Maybelline. L'iris, taille des iris. Ultra classique. Oh putain, je sais pas quelle couleur je dois lui mettre en pupille. Noisette? T'as pas... T'as ça dans ton stock, noisette, putain. Putain, ils auraient dû mettre, comme dans Dark Souls 2, des couleurs prédéfinies de base, en fait. Parce que là, c'est... Ah non, attends, carré. Ah, oh, oui, j'ai trouvé. Noisette, s'il te plaît, un truc un peu... Bon, pourquoi pas, hein. Écoute, je suis assez satisfait, c'est pas trop mal. Tatouage, marque... Ah non, pas de tatouage et des lunettes. Oh mon dieu. C'est quoi ça, une parodie? Oh là là. Ah oui, ah oui. Non, 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 non. Alors non, 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 surtout pas de lunettes. Oulala, oulala. Ah non, non. Ah, je suis désolé, hein. Je sais pas comment vous faites pour porter ces lunettes-là, mais j'ai toujours une sainte horreur de ces lunettes-là. Qui sont très bien dans l'ambiance du jeu, hein, qui représente parfaitement ce qu'il faut, mais ces lunettes-là sont moches. Hein. Désolé, hein, mais... désolé pour ceux qui les aiment bien, mais je les trouve moches. À la limite, sur un gars que vous voulez faire style intello au bout du nez, hein, tu sais, à la limite, ouais. D'ailleurs, j'ai pas pu parler de nez, j'ai pas pu le changer, ce putain de nez. Détail du visage. Forme. Narine, jo... Moi, dans les visages des Dark Souls, je suis à peu près d'accord sur pas mal de points, tu sais, d'un point de vue de basique. Mais alors, les tailles de nez, je suis désolé, là, tu crèves un ballon avec ça, hein. Donc, c'est dans quoi? L'arrête. Tu sais, je cherchais juste nez, moi, en fait. Alors, la longueur. Donc là, de base, je suis à 128. Oula, oula, oula. Attends, attends. Oula, oula, oula. Je suis en train de littéralement lui détruire le visage. Voilà. On va faire un truc un peu mieux que ça, un peu... Je vais faire un petit nez, moi, en fait. Par contre, tu me le mets un peu plus en bas. Oh, putain. Oh, putain, je suis en train d'en chier pour un nez, quoi. Ah, je suis en train d'en chier. Hauteur bout du nez. Ah, moi je le veux bas le nez en fait. Bon, ça devrait être pas mal comme ça. Je pense qu'on va laisser comme ça hein, parce que sinon je vais y passer deux plombes. Au niveau des narines... Putain, elles sont ensanglantées. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma pauvre fille? Ouais, bon, allez. On va laisser comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là au point de vue de la création de perso, sinon je vais y passer 10 ans. Je voudrais juste changer peut-être un petit peu... une tête un peu plus... Un peu plus pressée, on va dire. Donc au niveau... C'est de la... Mâchoire. Si tu pouvais me faire un truc un petit peu plus fin, en fait. Alors, science de la mâchoire... et 3... Ah, bien. Voilà, un peu mieux comme ça. Un peu mieux, mince. Un peu plus gros quand même. Attends. Ça c'est bien, mais alors à la limite peut-être ça un peu plus gros. Voilà. Allez. On est pas mal, on est vraiment pas mal. Voilà. Et puis en plus c'est vrai que j'avais déjà fait un perso aux cheveux blancs, masculin, pour le playthrough de Dark Souls 2, qui était très très long, je rappelle encore une fois, il y a eu plus de 98 vidéos je crois. Donc voilà, non là on est bien. Là on est très très bien, c'est pas trop trop mal.
C'est honnêtement, c'est pas ce que je voulais faire à la base, hein, c'est pas ce que je pensais avoir voilà, en tête. Mais non, on est pas mal, hein, j'aime bien. Alors le nom. On va mettre un nom assez classique. Voilà. Allez, je pense qu'on est pas mal. Donc voilà, dernier survivant, j'ai un niveau 10, 420 échos du sang, je sais pas ce que c'est. 14 de vitalité, 11 d'endu, 11 de force, 10 en compétences, teinte sanglante et ésotérisme 7. Allez, c'est parti pour l'aventure Bloodborne! J'ai cru que j'allais nous remettre sur le menu principal. Voilà, c'est bon, t'as fait le jeu. Waouh, plus rapide que The Order! Allez, on va bien voir un peu ce qui nous attend dans ce jeu. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Oh, c'est rapide! Putain, vous voulez un café, un truc, non? Qu'est-ce que vous désirez? Un coca? Des chips? Là, je te jure. Putain, il mentait pas hein, sur les temps de chargement. Oh putain, et dire que t'es obligé de t'en taper. Oh. Ah, vivement le patch, hein. Vivement le patch, parce que là, c'est juste horrible. All signed and sealed. Now, let's begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. You found yourself a hunter. Ok. Ok. C'était bizarre. Ah ouais. Oh là là. Oh c'est beau. Oh non, c'est pas mal, putain. Alors j'espère vraiment qu'au niveau de la capture, on sera sur quelque chose d'assez clair. Moi pour l'instant ça va, hein, c'est assez clair. Ouvrir la porte. Ne s'ouvre pas de ce côté, bien sûr. Oh là là, ah ouais, non, c'est. Il y a du détail, hein. C'est pas Dark Souls 2, là, on est vraiment dans quelque chose sur très très loin de tout ça. Ok. Tiens, il y a un truc. Phrase griffonnée. Recherchez le palsant pour transcender la chasse. Le palsant. Ok, donc je dois chercher le palsant. Moi, mon objectif, en fait, dans ce jeu, par rapport même à ce playthrough, ce serait de découvrir, et j'espère que ça y est. De savoir si oui ou non il y a la fameuse épée qu'il y a dans tous les jeux From Software, la Moonlight. Ou l'espadon du clair de lune, l'épée du clair de lune, voilà. Mais j'espère vraiment qu'elle y est, hein, ça, avec Sonico, j'espère qu'on pourra la réutiliser dans ce jeu. Bon, écoutez, pour l'instant ça a l'air normal. Ah, franchement, c'est beau, hein, c'est. C'est pas mal, hein, sérieux. Moi, je suis très très satisfait de la qualité là pour l'instant. J'ai hâte de voir ce que ça donne en extérieur. Allez, avance un petit peu plus vite. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est quoi ça? Ah, c'est des messages. Attaquer avec R1. Okay.
Waouh! Voilà! Tel un karatéka, j'attaque avec mes mains, tu vois. Verrouiller, relâcher cible. Ah ouais, et puis ça remet la caméra. Ok, bon, pour l'instant, ça m'a l'air normal. Oh putain, oui, c'est L1 pour passer à l'arme à deux mains. Oh Dieu! La roulade, c'est. Putain, qu'est-ce que c'est que ces roulades? Ouais. Ces roulades ont l'air un peu chelou quand même. Bon, il n'y a rien ici. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit. Ok, pas de bruit. Nous allons essayer de ne pas l'attirer. Et regarder s'il n'y a pas des trucs à lire ici. Ou à prendre, je sais pas. J'ai cru que ça brillait, non? C'est quoi ce début de jeu? Ok. Alors je suis désolé hein, pour ceux qui veulent que j'avance beaucoup plus vite. Je profite du jeu, hein, croyez-le, parce que je sais qu'il est. Il est long, mais apparemment en termes de replay value, c'est pas encore ça. Hein, donc j'ai un peu peur pour ça, donc je profite un peu mieux. Bon. Et ben on va aller affronter cette créature. Non mais je voulais surtout regarder si j'avais pas raté un truc en fait. Non mais attends, je peux pas affronter ça. Il a peu de vie quand même. Hein. C'est peut-être jouable. Hein. Hey, salut la bête! Putain. Aïe, 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 aïe! Je récupère ma vie! Putain! Non mais attends, mais là c'est juste méga difficile! Ok, faut pas. Allez! Putain, mais. Allez! Saloperie, mais tu vas crever! Oh là 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 là! Fais gaffe, fais gaffe! Nya, nya, tu vas mourir! Aïe, 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 aïe! Ah! Non! Oh, je me serais bien battu! L'espèce de loup-garou 1, Raven 0. Très bien! Je sais pas si c'est une mort obligatoire ou si on peut réellement tuer cette créature, j'ai pas fait gaffe à ses points de vie. Je lui ai enlevé de la vie, mais après, est-ce que. J'ai pas vraiment fait gaffe si je lui baissais vraiment sa vie, parce qu'elle coûte 5 points de dégâts. Bon, voilà quoi. Bon, écoutez, au moins ça m'aura permis de voir un peu en combat comment ça se jouait. Bon, ça va, ça a pas l'air trop compliqué. Par contre, j'ai l'impression que ça se joue moins sur la roulade et plus sur l'esquive parière, pas chassée, ou je sais pas ça. Enfin bon. Attends, c'est peut-être une cinématique, peut-être que je ferme ma gueule, je sais pas. Oh non, écoute, ça doit être juste une petite cutscene et puis la cinématique sera après. Ok. Waouh. Waouh, attends, attends, eh oh, laisse-moi apprécier le décor là. Qu'est-ce que c'est que ces colonnes? C'est des tours, c'est une colonne en pierre inutile. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Y a rien d'autre au loin? C'est un. Ouais, c'est vraiment pour nous montrer qu'on est coupé du monde, quoi, je pense. Ça doit être vraiment pour nous montrer ça. Il y a quoi, là? S'ouvre pas. Bon. Une porte qui ne s'ouvre pas. J'aurais peut-être dû désactiver les messages. Oh, je pense pas en recevoir non plus des masses. Ouais. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Même le détail, ouais, non, ça va, hein. Les gens critiquent encore une fois les graphismes, bah écoutez, jouez-y sur PC et puis fermez-la. Ah pardon, excusez-moi, c'est un jeu Sony. Ah là là. D'ailleurs, n'essayez. Enfin, vous pouvez y croire, hein, ça servira à rien, mais c'est croire en une chimère, quoi. Non, le jeu ne sortira jamais sur PC ou sur Xbox, quoi. C'est. Non, 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 c'est un jeu Sony. Le jour où vous verrez des jeux Sony sur PC, bah putain, faudra m'appeler, hein. Une petite lanterne, c'est quoi ça? Messager de la Vasque. Échanger des échos du sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Oh, d'accord. Ah ouais. D'accord.
Couvre-chef de chasseur. Ah, c'est la tenue. C'est la tenue classique qu'on a sur la jaquette du jeu. Ok. Ok, ok. Vendre, partir. Honnêtement, vu que là ça fait. Combien de temps là ? Putain, ça fait presque une demi-heure déjà que je suis sur le jeu, à peu de choses près. Je pense que ouais, je vais faire vraiment un épisode assez long quoi. T'es quoi toi ? Une poupée abandonnée. Tu sers à rien quoi. Pierre tombale. Éveillez-vous dans une zone de Yharnam sélectionnée. Bah, attends, avant que j'aille me battre quelque part. Le choix des armes. Très bien. Une arme trompeuse. Les armes se manient de la main droite et sont utilisées pour la chasse aux monstres. Ah ! Le coup précis, la hache de chasseur ou la canne fouet. Fais voir un petit peu les statistiques. Alors le coup précis, il a un bonus D et E. Bah, j'imagine que de toute façon je les attribue requis pour... fais voir, j'ai combien? 11 et 10. Ouais, je peux manier tout ce que je veux. Apparemment, il y a des bonus qui changent. Regardez, il y a 4 cases. 3 cases là. 2, une espèce de splash là, de tache de sang ou je sais pas trop ce que c'est. Et un triangle. Et là, c'est pas un triangle, c'est un autre truc. Attaque physique, 90 plus 3. Attaque de sang, attaque ésotérique. Attaque de feu, attaque de foudre. Est-ce que les attaques de sang et ésotérique, alors c'est la foi et la magie? Ça me paraît bizarre. Bon. La 98 plus 4, donc là on est clairement sur quelque chose de très puissant pour commencer le jeu, je pense. Ouais, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. D et E. Ouh, mais là on a un bonus de C en dex. Donc là, mes premiers points, à la limite, je mettrais un petit point en endurance déjà. Et puis je mettrai tout le reste en compétences. Parce que là, on a quelque chose de pas mal. Un bonus de C en début de jeu, c'est excellent. Hein. Je vais très vite rattraper l'âge de chasseur. Hein. Je pense que. Et puis de toute façon, je l'ai dit, que ce soit en live ou en vidéo, j'avais déjà prévu l'arme que je voulais prendre. Et là, ça ne fait que confirmer. La canne fouet m'a l'air extraordinaire. Et joue ici, veut jouer. Parce que le coup précis et l'âge de chasseur. Alors le coup précis encore, ça a l'air bien. C'est juste l'arme ultra classique. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de la prendre. Et la hache de chasseur. Alors là, c'est, je veux pas m'emmerder. Je prends la hache et puis c'est tout. Non. Moi, je veux un gameplay varié qui change de Dark Souls 2, qui change de Demon Souls. Je veux quelque chose de nouveau. Donc, canne fouet. Recevoir. Oh, ouais, t'inquiète pas. Voilà. Bon, j'imagine qu'il faudra que je m'en équipe juste après. Et là, c'est quoi? Ah. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Alors. Donc là, ouais, ça j'avais vite compris. Alors, le pistolet ou le tromblon? Alors, si je me... Enfin, si je connais bien mes termes, un pistolet, donc... ouais, d'accord, et un tromblon, ça doit être plus puissant, alors, le tromblon. Des attaques de sang, ça fait? Donc, ça veut dire que mes bonus... Bonus D, dans les deux cas, une solidité de 100, et là, de 150 pour le tromblon. Attaque de 170, et là, 20. Ah, le pistolet m'a l'air mieux. Bon, je vais prendre le pistolet. Hein, Tromblon, ça... Je vois pas pourquoi les gens choisiraient le tromblon. En fait, il fait pas beaucoup de dégâts. Bon, il s'use un peu moins vite, mais... Et par contre, c'est quoi ces attaques spéciales? Mais y a pas une... Je peux pas faire genre select ou tu sais un truc pour dire... tiens, ça veut dire quoi cette stat? Ah putain, j'avais pas vu qu'avec triangle on pouvait faire ça. Effet rune de Karil. Qu'est-ce que c'est? Donc pistolet de chasseur, oui, s'il te plaît. Voilà, je te remercie, mon petit fantôme. Acceptez le cadeau. Carnet donné par les messagers. Laissez les messages grâce à des... Ah, d'accord. Oui, parce que ça, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça stupide de débloquer ça un peu plus tard dans le jeu, en fait. Donc attends, comment je fais pour m'équiper de mes armes? Ok. J'ai reçu mes armes, mais je peux pas m'en équiper Bon, attends. À la limite, on va déjà voir ce qu'il y a plus loin. Mais what? Mais what? Ok. Oh. Alors, attends. Marque du... Supprime les échos de sang et se réveiller. Ouais.
Utiliser. Pourquoi je peux pas? Why? C'est bizarre. Infirmerie du rez-de-chaussée. Donc attends, si je retourne à l'infirmerie. C'est là où j'étais mort de toute façon. J'imagine que c'était une infirmerie de base. L'aventure va vraiment commencer là. Ouais, c'est vrai que ça fait. Putain, ça fait un moment qu'on a commencé. Je suis désolé, hein, c'est les débuts de jeu. C'est vraiment le. Croyez-moi, hein. Ok, je me suis pas mal spoilé à cause des 3 tonnes de vidéos qu'il y a eu sur le net, hein, ça, je l'avoue. Mais j'ai jamais vraiment touché au jeu, hein, donc c'est vraiment la première fois que j'avais pas joué à la bêta, à l'alpha, ce que vous voulez, au mois de novembre dernier, parce que ben j'avais pas la PS4, hein, donc voilà. Donc, c'est vraiment la toute première fois que je joue au jeu, hein. Soyez aussi indulgents par rapport à mon gameplay, parce que, bon, remarque, si vous l'avez été sur Dark Souls 2, je vois pas pourquoi vous le serez pas là-dessus. Retourner dans le rêve des chasseurs. Un point de sauvegarde? C'est ce qui remplace les feux de camp, c'est la lanterne? Bon, c'est une bonne idée. Mais alors moi, ce que je veux, hein, c'est si tu permets... Ah, voilà! Donc attends, parce que... Comment tu sais laquelle arme est où Attends, d'accord. Ouais. Ils auraient pu distinguer ça un peu mieux, parce que là... Y'a rien d'écrit quoi, je veux dire droite ou gauche, y'a rien d'écrit quoi. Tu te démerdes pour le savoir quoi. Ok, donc j'ai un superbe pistolet. Alors cette canne, comment on s'en sert? Tu tapes comme ça. Et si je veux qu'elle se transforme en fouet, comment je fais? Attends, est-ce que t'as... Ah, et t'as les attaques puissantes. Ah, il faut vraiment que je mette de l'endurance par contre. Avec ce genre d'arme à mon avis. Oh, waouh. Ah, ça c'est neuf. J'ai jamais joué au fouet dans un jeu de cet acabit là quoi, dans un jeu de ce genre là. Donc c'est vrai que ça me change pas mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord se mettre en mode canne. Hey, tu te souviens de moi? Ah! Non, faut pas que je... Merde. Ah ouais, mais il est déjà mort. Bon, c'est pas grave. J'aurais voulu récupérer ma vie, mais... Oh, fiole de sang. Ça devrait aller. Donc. C'est des fioles de sang, ça? Non, c'est quoi cette bonbonne? Ouais, on dirait... Ah ouais, c'est des... Ah, putain, c'est du sang, quoi. C'est une poche de sang, quoi. Merc. Alors, le jeu, n'empêche, il commence vraiment de la manière... Oh, je supporte pas trop le sang, tout ça, tu sais, les prises de sang, les trucs comme ça, je supporte pas trop. Alors, t'imagines comment c'est le jeu? Allez, on vous fait une prise de sang, monsieur. Fiole de sang. Ça, c'est même pas je me chie dessus, là, vraiment. Je me vide de mes organes par le cul, quoi. Ok. Ah putain, je croyais que c'était un bonhomme. J'ai cru que c'était un monsieur. Non, non. Ok. Oh, waouh. On a du visuel là-bas. Oh là là. Bon. Ok. Ok, ok. Je peux y ouvrir ça? On dirait pas. J'entends du bruit, il doit y avoir des ennemis. En même temps, on sait quoi ce... On est situé à côté d'un cimetière. Balle de vif argent. Ok. D'accord, d'accord. Donc on peut aller par là ou par là-bas. Juste vérifier que j'ai rien oublié de ce côté-là. Non, tout a l'air d'être bon. Tout est en ordre, mes amis. Alors, de quel côté je commence ? Fermé par un mécanisme, d'accord. On va, premier objectif, trouver ce mécanisme pour ouvrir cette porte et j'imagine avoir un raccourci peut-être. Par contre, j'ai hâte de changer de tenue, hein, parce que celle-là... j'aime pas trop. J'aime même pas du tout cette tenue, en fait. Ça fait vraiment... Je sais pas. Non, j'aime pas. J'aime pas trop. Ah, un chapeau. Je peux pas le ramasser ? Ça doit être le chapeau d'un type. Oui, date logique. Donc c'est à peu près par là où les gens commençaient la bêta du jeu, je crois.
si j'ai bonne mémoire. Ok, des trucs abandonnés, bon. Ce que j'aime pas, c'est que c'est il fait jour en fait. Ça, c'est clairement le genre de jeu, tu l'apprécierais mieux s'il était tout le temps que de nuit, comme dans Demon's Souls en fait. Même si ça peut en gaver certains que ce soit toujours de nuit, mais honnêtement, je trouve que. Oh putain, par contre. Eh, franchement, waouh! Génial! Vraiment très beau, hein. Là, il n'y a pas à dire, hein. On est sûr. Ah, par contre, l'air blanc en dessous, elle est un peu moche. Mais non, là, franchement, on est sur quelque chose de très très propre, hein. Là, waouh! Ça mérite des screenshots, là. Bon. Oh putain! Ah, comme dans Demon's Souls! Tu commences, t'as un cheval mort! Ah, classe! Allez, viens! Putain. Ah, tiens, il y a une cloche qui résonne. Putain, tu peux faire... Ah non, non. Dans ce jeu, plus que dans un autre, l'endurance est vraiment primordiale, quoi. Ok. Fermé par un mécanisme. Encore? Ah bah putain. Ah, les jeux From Software, hein. Quand tu commences, rien n'est débloqué. Alors là, je peux pas y aller. Putain, c'est marrant. Attends, je sais pas, ça avait pas la même couleur que les autres portes. Je me suis dit que peut-être. Fiole de sang et un mécanisme. Ah. Ok. Ok, échelle débloquée. Qu'est-ce qu'on a par là? Mais ça, je peux pas y ouvrir ces espèces de cercueils là. Wouah! 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 Merde! Merde! Vite! Ok, bien. Très très bien. Alors comment par contre je me remets de la vie déjà? Alors attends déjà. Hop là. Ouais, de l'eau. De l'eau. Parce que j'aimerais bien me remettre peut-être un peu de vie. Je sais pas combien tu peux t'en remettre. Oh non, allez. On va prendre un peu des risques. On va prendre un peu des risques, on s'en fout. Je sais que les gens n'attendent que d'une chose, c'est de me voir rager, hein, mais ça va, tu vas pas. Oui, oui, alors là, non, je viens absolument pas de frissonner derrière mon écran, absolument pas. Non, 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 ça ne sent pas la merde, non, 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 non. J'ai le pantalon et le slip extrêmement propre. Hein. Oh, nom de Dieu. Ça te met dans l'ambiance, ça. Ça te met dans l'ambiance, tu marches tranquille. Mais... Ok, ok. Donc oui, je sais que vous attendez tous de me voir rager, hein, mais il va falloir attendre. Peut-être attendre les premiers boss. Apparemment, les boss de jeu sont extraordinairement puissants, donc ça promet. Cette lampe vous ramène désormais dans le rêve. D'accord. Ok. Alors, si je veux, maintenant, je peux repartir tout de suite. J'en vois pas l'intérêt. Et en même temps, je le verrais bien si... Stat. Écoute sang. Est-ce que les... Ah, mais les échos de sang, d'accord, ouais, donc c'est la monnaie du jeu. C'est la monnaie du jeu. Ah putain, il me reste que 445 sur 159, putain, on dirait pas, vu comme ça. Bestialité, 337, résistance à la folie, poison rapide, poison... Oh, les gars! Sérieux? C'était trop compliqué d'écrire poison et peste? Parce que sans déconner, en plus, dans ce genre d'univers-là, la peste serait plutôt marrante, quoi, à voir. Je sais pas. Oh, là, c'est vraiment nul, quoi, de pas avoir mis le terme peste qu'on retrouvait bien dans Demon's Souls et qui était horrible. C'est d'ailleurs, c'était vraiment affreux. Bon. Et du coup, ils me disent pas au bout de combien de temps je peux monter de niveau. Ah, c'est pas Dark Souls 2. Je vais retourner dans le rêve du chasseur. En fait, j'aimerais juste voir si je peux monter de niveau tout de suite, histoire de... d'avoir plus de dégâts sur mon arme et d'avoir un peu plus d'endurance, ou juste de voir combien est-ce qu'il me faut pour monter d'un niveau. Si c'est de l'ordre de 200, 400, ou si c'est déjà 1000. Voilà, savoir un petit peu me situer, en fait. J'aime pas commencer les jeux comme ça, avec aucune base, avec... Ah bah, c'est ouvert. Voilà, tant mieux, comme ça au moins je pourrais savoir un peu... Oh, mais c'est le vieux qui m'a fait une transfusion. Bon. Ah. Inventaire. Stocker des inventaires, récupérer des objets stockés. Ah, je suis même content que ce soit pas un personnage. Dans Demon's Souls, le nombre de fois que ça m'est arrivé de taper le pauvre magasinier là sans le vouloir. Hein. Oh, aïe aïe aïe.
atelier, fortifier l'arme avec des pierres de sang. Bon, j'ai pas de pierres de sang pour l'instant, donc ça sert à rien de réparer. Elle se répare automatiquement ou... T'es sérieux là, elle se répare pas automatiquement? Ah ouais, Demon Souls like. Oh là là. Bon, on va déjà la réparer. Hein. J'en profite en fait, ça sert à rien, mais puisque je suis là, autant en profiter quoi. Pour fuir cet horrible rêve et mettre fin à la nuit, anéantissez la source du fléau des monstres. La source du fléau des monstres. Bon, j'imagine que lui, il va peut-être me parler là, le vieux monsieur. Ah ah. You must be the new hunter. Welcome to the hunter's dream. This will be your home for now. I am German, friend to you hunters. You're sure to be in a fine haze about now, but don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. Ah bah c'est sûr, j'étais pas venu ici pour construire une maison. Mais ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il te sort... C'est ce que tout le monde pense finalement, c'est... Même les développeurs, c'est... Mais on s'en branle du scénar, va tuer des mobs. Va tuer des mobs, va XP, va explorer le jeu qu'on s'est fait chier à créer. Non mais là franchement, ouais, c'est... Hop. Ah, pour ceux qui peut-être se poseraient la question, voilà, je suis un très gros vétéran des jeux From Software. Et je ne parle pas que des jeux Souls, hein. Non, non, je suis un gros fan des jeux Armored Core, donc des jeux de mecha que font From Software en parallèle. Donc voilà, je connais bien leur, je connais bien leur truc, hein, leur façon de faire, hein. Ça fait plus de 10 ans, ça doit faire, je sais pas, peut-être bientôt ouais, 14 ans, ça doit faire 14-15 ans que je suis leur jeu. Un calice sacré est requis pour accomplir un rite. D'accord, donc il y a des troisième hôtel rituel. Second, premier, hôtel de fortune. Alors ça c'est les calices, d'accord. Ah mais c'est les donjons calices, d'accord, j'avais pas bien compris. Ça ok. Et comment tu montes de niveau? Ça j'ai pas bien compris. Où est-ce que c'était? J'ai peut-être raté. Attends, ça c'est l'inventaire. Ok, ça c'est l'inventaire. Ça c'est l'atelier pour améliorer les armes. Hôtel du souvenir. L'outil de l'atelier requis pour cela n'est pas disponible. Ah ok. Et toi, tu me fais pas monter de niveau ? This was once a safe haven for hunters. A workshop where hunters used blood to enhance their weapons and flesh. We don't have as many tools as we once did, but you're welcome to use whatever you find. Non merci, je suis pas très fan de tous ces gadgets. Voilà. Avoir une poupée, non, ça ira. Ok. Bon, écoute. Si tu veux utiliser une poupée pour tes plaisirs sexuels, grand bien cela te fasse. Moi, je préfère pas. Bon. Donc, la poupée, pour l'instant, en tout cas, une poupée abandonnée. Je sais pas, peut-être qu'on va la débloquer plus tard, je sais pas. Bon bah du coup, en fait, pour l'instant, je peux rien faire. Alors, ça, je peux pas monter de niveau, je peux pas... Je trouve ça un peu handicapant quand même, hein. Tu sais, histoire de pousser un coup de gueule, là. C'est un petit peu handicapant quand même de commencer. C'est peut-être là qu'on doit monter de niveau. Mais... Il me faut un outil. Bon. Eh ben allez, c'est parti. Allons nous aventurer dans le jeu vraiment pur et dur, hein. Par contre, si les trois mobs que j'ai affrontés, c'était les... C'était un peu la phase tuto, hein, d'une manière simpliste. Bah putain, j'ai jamais vu un tuto aussi rapide. Hein. Waouh. C'est genre, voilà un mob, en voilà deux d'un coup. Allez, bonne chance. Merci. C'est putain. Ok, et si je croise trois mobs ultra chiants avec des patterns dégueulasses, comment ça se passe? Ah, ils ont vraiment besoin de patcher les temps de chargement. Oh là là. Je les couperai bien au montage, hein. Franchement, si par exemple je meurs souvent, je les couperai au montage, hein. Y a pas de problème. C'est comme ça d'ailleurs que je faisais dans Skyrim, hein. Skyrim sur PS3, c'était une...
C'était une horreur. C'était une horreur les temps de chargement et du coup, à chaque fois je les coupais en fait parce que parfois j'attendais 40 secondes entre chaque temps de chargement. Une fois je crois que j'avais compté 1 minute 10. Pour un temps de chargement, hein, 1 minute 10. C'est pas mal, c'est pas mal, je sortais d'une baraque en fait. Bon, alors. Trêve de mondanité. Oh bah remarque, j'ai récupéré toute ma vie, donc finalement j'ai bien fini de me casser. Ok. Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre, je vais y aller en mode fouet. Des galets. Bien. J'ai plus qu'à trouver un peu d'eau pour les fourtiers taper un peu dedans. Bonjour monsieur, excusez-moi, je cherche le premier boss. Est-ce que c'est par là? Oh, oh le two shot. Ah bah c'est pas mal. Putain, il a l'air vraiment bien ce machin. Hein. Mais j'ai hâte d'augmenter la dex de... Enfin, je suis désolé, hein, je dis la dex, c'est la compétence. Mais je suis désolé. Enfin, c'est complètement con d'avoir appelé ça compétence, quoi. Imaginez-vous, j'améliore des statistiques pour améliorer mes compétences. J'améliore pas ma compétence pour améliorer ma dextérité. Enfin, je sais pas, mais c'est... Ah, oh, moi, c'est... Putain. Your mind has been fucked. Ok. Pas d'ennemis aux alentours. Ah bah, évidemment. Ok, viens. Viens, enfoiré. Viens. Pan. Non. Oh. Oh oui, non mais c'est ça. C'est ça. Je prie pour que ça passe en frappant, en frappant beaucoup. Trop de mobs. Il doit y avoir un moyen de contourner peut-être en passant par là. Non, non, je peux pas. Ah, mais c'est cassé pourtant. On va attendre que les mobs passent, on va y aller tout doucement. Ça donne pas envie, ça donne pas envie. Alors là, t'y vas, tu meurs. Hein. C'est... Bon, allez, on y va les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bougie tout simplement. Ok. Bon. N'allons pas par là tout de suite. Je vais d'abord commencer par aller ici. Rien là. Non, on peut pas rentrer dans les maisons, je pensais qu'on pouvait moi. Oh, un volet. Bon. Bon, à part l'attroupement de mobs, ça m'a l'air assez vide en fait. Ouais. Encore un mec. Ah mais d'accord. Et là je retombe au tout début. Bon, c'est un raccourci plausible, je suppose. Bonjour monsieur, au revoir monsieur. Hop là. Non. J'adore. J'adore ce fouet. J'adore ce petit fouet. En fait, si j'étais bon à ce jeu, j'utiliserais le fouet quand il y aurait plusieurs ennemis sur moi. Ou plus costaud on va dire. Et la canne vraiment pour un mob ultra classique. Mais pour l'instant j'y connais rien donc j'y vais safe. Toi tu vas me poser des problèmes. Putain. Je dois choper le timing. Oh yeah. Booyah, bitch! Alors, on est plus aussi sûr de soi maintenant, hein? Tu veux que je recommence? Tu veux que je recommence? En fait, c'est vraiment au moment où il... Non. Non! Putain! C'est chiant! C'est au moment où il est censé... Aïe! Aïe! Non, je dois l'attaquer! Je dois l'attaquer maintenant! Oh, la pute! La pute! Il se protège! Oh, putain! Ah! Ah! What? Mais d'où tu sors, toi? Mais d'où est-ce que vous sortez, vous? Vous êtes pas en réunion, là-bas? Ah, merde! Putain, la merde! Première mort légitime! Première mort légitime! Non, mais il sort d'où, les deux mobs de derrière, là? Total déconcentration. Et puis lui, là, qui fait rien. Le mob qui ne bouge pas. En mode ultra mou et d'un coup il saute dessus là
D'accord, ok, c'est bon, c'est bon. On va se détendre. On va reprendre le jeu en main. Ah putain. Non mais sérieux les gars, vous, en attendant les temps de chargement, vous voulez pas des Pringles? M'en reste un peu. Hot and spicy, ça vous tente pas? Sinon, je dois avoir des Bounty par là. Allez, un petit Bounty, ça vous tente? Je fais un peu le bruit du papier, c'est totalement débile. Pendant les temps de chargement. Oh non, mais ils ont vraiment besoin de corriger ça. Mais comment ils s'en sont pas aperçus avant, les mecs? Bon, c'est From Software, on leur en veut pas, mais comment ils s'en sont pas aperçus? Comment? Comment quoi, les mecs? Vous avez des bêta-testeurs pourtant, je sais pas. Comment on peut pas ne... Enfin, comment on peut ne pas s'apercevoir de ça? Je vois bien les mecs, bon, on crevait jamais. Écoute. Et le pire, c'est que je veux bien les croire pour ça. Eh ben allez. Oh là là, putain. N'empêche le mob, ce qui m'a mis, c'était violent. Là, je pourrais tomber directement là, mais non. Pour l'instant, je veux récupérer ce que j'ai perdu. On va faire comme tout à l'heure, ça me... Une technique comme ça, c'est payant, c'est gagnant. Mais attends, toi, tu m'attaques avec une torche en vrai? Aïe. Connard. Ouais, ouais, donne-moi ma vie. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Ouais, par contre, alors, le système de récup de vie, c'est pas mal. Mais si, imaginons, le mob, il est stupide, et dans tous les jeux des Souls, on les a vus, les mobs et les boss, d'une manière générale, sont assez cons. D'une manière générale, attention, hein. Mais voilà, ils sont assez cons, d'une manière générale. Et il suffit qu'en fait, il vous blesse fortement et qu'il bloque toutes vos attaques. Vous allez rien pouvoir faire, en fait. Ah, donc du coup, moi, là, je fais comment? Ah, c'est peut-être ces mobs-là, en fait, qui m'ont attaqué dans le dos tout à l'heure. Donc en fait, il faut que j'avance rapidement. Voilà, c'est bon, il devrait plus me repérer. Il faut que j'avance rapidement, que je tue. Oh! Écoute, sans récupérer. Merde. Ok. Ok. Attaque. Attaque. Attaque! Merde! Putain, le timing a chopé. Boum! What? Non! Bon bah ok, je crois que je vais aller ailleurs. Ok, oh salut! C'était cool de te croiser, l'ami. On se fera un barbecue. Voilà. Ok. Le mob qui te dit littéralement va ailleurs. Va voir ailleurs si j'y suis. Ok, samedi. Ça me dit bien. Non, j'ai récupéré mes âmes et puis je vais me barrer. Hein. Pas trop le choix. J'adore, tu sais. C'est du genre, j'attaque, il perd quasiment pas de vie et lui. Il me saigne à blanc en un coup, très bien. C'est... Oh, les temps de chargement, non mais là, sérieusement, quoi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Bon. Yeah, de retour. Donc on va récupérer pour la énième fois mes âmes et puis on va se barrer ailleurs. Parce que là... Attends. Mon arme elle est en mode fouet. Bah sur ces ennemis là ça fait pas mal de dégâts par contre. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, j'aimerais bien voir un peu plus du jeu là. Ok, alors toi tu vas me faire chier. Alors attends, faut que j'apprenne les esquives sur lui en fait. Vas-y, viens. Attaque. Il attend. Tiens. Ah, il attend que j'attaque le con. Voilà. Par contre, la portée du fouet, elle est plutôt sympathique, hein. Ok. Ils avaient pas dit que j'avais des cailloux là. Je peux pas leur lancer un caillou dans la gueule. C'est quoi ce rond en dessous de mes balles? Il était pas jaune il y a 2 secondes? Ah ouais, donc attends, là c'est pour changer d'arme donc. Repasser en mode fouet. Je vais aller récupérer mes âmes et puis... Enfin mes âmes, mais... Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. En tout cas,
cas, je vais y récupérer. À force de crever. Attends, parce que... Ça te met nous, là. Pas que je veux pas aller ici, mais... Faire un tour complet... Oui. Eh, hey, mon backstab, il était légitime là. Oh, moi, ma putain de life. En fait, c'est bien surtout si tu cognes très très fort quoi, pour récupérer beaucoup de vie d'un coup, enfin pour enlever beaucoup de vie au mob. En gros, en fait, on s'est doté d'une espèce de pouvoir d'absorption de vie en fait. C'est bien, hein, je. C'est mieux que le système pourri qu'ils ont fait dans Dark Souls 2 de diminuer ta vie à chaque fois que tu meurs. Ça rajoutait de la difficulté. Mais c'est, je sais pas, t'sais, plus tu meurs, plus t'es une merde. Dans le principe, c'est un peu moyen. Bon, même si on récupérait l'anneau qui permettait de bloquer ça assez rapidement, mais quand même quoi. Je veux dire, toi avec ton coup prêt. Hein? What? C'était quoi ce... Ah? Oh, you must be a hunter. And not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it. Yarnum has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Okay. D'accord. Pale blood, you say? Never heard of it. But if it's blood you're interested in, you should try the Healing Church. The church controls all knowledge on blood ministration. And all varieties of blood. Across the valley to the east of Yarnum lies the town of the Healing Church, known as the Cathedral Ward. And deep within Cathedral Ward is the old grand cathedral. Cathedralception! The Healing Church's special blood. Or so they say. Yarnum lui tous rigole. Normally, they wouldn't let you near the place, but the hunt is on tonight. This might be your chance. D'accord. Ouais, nous, on cherche le pâle sang, et donc il faut aller dans cette église qui ont toutes les clés du remède. L'histoire est intéressante. Across the valley to the east, deep within, like, non, mais c'est marrant, c'est... That's your best bet if it's anything to do with unique types of blood. Je pensais qu'il me disait la même chose, hein, désolé. Je pensais qu'il me disait la même chose. Ok, eh ben écoute, c'est pas mal. Putain, mais ça sonne à intervalles réguliers, cette cloche, ou c'est quelqu'un qui l'active? Ce serait intéressant que ce soit quelqu'un qui l'active. Dans Dark Souls 1, cette feature était excellente. C'était juste un détail, mais c'était génial. Si je tombe de là, j'ai peur de pas me relever. J'ai pas encore bien capté le système des inventaires, enfin des objets de. Ah tiens. Et donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait bouffer de la vie pour gagner des munitions supplémentaires? Ah. Et j'ai mon point qui est devenu jaune en dessous de mes balles. Bon, en tout cas, les mobs ont disparu. Hein. Enfin, ont disparu. Ils doivent pas être bien loin. Je vais me méfier. Je vais garder mon fouet, là. Je voulais repasser en canne, justement, mais finalement, je vais garder mon fouet. Le fouet est vachement balèze, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais pour l'instant, je vais rester dans ce mode-là. Cocktail Molotov. Oh. Ça, c'est pas mal. Mais j'ai...
Je comprends pas. Et comment je fais pour utiliser les objets croix? Je dois faire... Je comprends pas bien comment ça... Moi, je veux aussi des cocktails... Mais regarde, ils apparaissent pas dans mes menus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Frapper. Toc toc. Qui est là? Et si je mettais un coup de pied dans ta porte, est-ce que tu m'ouvrirais? Bon, j'imagine que si on y retourne plus tard, soit il se fait tuer, soit il nous laissera rentrer. Peut-être qu'en montant certaines statistiques, ou je sais pas, avec une certaine arme, il nous laissera passer, ou en tuant certains boss. Putain. Nom d'un chien. D'accord. En fait, ils font un tour. D'accord. Il faut absolument que je tue quelques mobs. Putain, les dégâts! Oh ouais, regarde-moi cette portée! Oh, c'est génial, je crains rien, quoi. Vu le type d'ennemi que j'affronte à ce train-là, ça... Oh putain. Cachons-nous. Putain. Comment je vais faire pour défaire... Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Ils m'ont vu, ça y est. Ça y est, les ennemis sont là. Celui-là n'est pas costaud. Oh putain! Oh! Oh, oh. Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Boum! Boum! Ah! Merde, j'ai raté mon coup. Mais c'est pas grave, j'ai pas perdu de vie finalement. Regardez mes balles là, il y a un petit point jaune, ça veut dire quoi? Est-ce que mes balles ont un bonus lié au fait que je viens de tuer des ennemis? Ouais. Donc, par contre, si les 4. Donc il y a encore 4 mobs. Si les 4 me viennent dessus, c'est la mort assurée. Pour en attirer un, comment je peux faire? Je sais pas comment on lance ces galets de merde. Comment ça se fait qu'ils soient dans mes effets perso mais que je les ai pas là? Pouf, chier. Est-ce que j'y vais Parce que j'y vais au culot et je tente le tout pour le tout. Le culot. Oh merde. Eh ben ouais. Ça, c'est un effet de surprise un peu raté. Ok. Ok. Il y en a deux. Il y en a deux sur moi. Je crois qu'il était pas mort. Ce que j'aime pas, c'est que la barre de vie elle reste même quand ils sont morts, c'est-à-dire un certain temps. Voilà, là il va m'attaquer. Voilà. Oh non, mais honnêtement, pour attaquer de distance à distance, c'est le fouet, c'est ce qu'il y a de mieux. Waouh, c'est génial. Mais ils ont peur que je les bute ou pourtant ils ont l'air sains d'esprit quoi à me parler, donc c'est marrant. Ah. Bonjour monsieur. Boum. Oh ça c'est bon. Booyah. Fiole de sang. Putain mais il vient de parler. Est-ce que les mobs parlent réellement? Je suis tellement habitué, tu sais, au bruit des mobs. C'est le fameux bruit. Bon. Je me suis débarrassé des mobs de cette zone. Donc c'est plutôt bien. Ouah. Même pas je te laisse en vie. Balle de vif argent. Ah merci, m'en fallait. J'en ai un peu trop consommé là. C'est... Donc attends. Soit je vais par là. Soit je continue sur le chemin de... Oh putain, il y a encore plus de mobs. T'sais, ouais bon on va aller par là hein. on est bien. On est dans l'ombre et tout, c'est cool. En plus il y a des objets avec... Objets gratuits. Ah. Ça c'est la règle. La règle de base. Un objet gratuit c'est un mob pas loin. Fragment de pierre de sang.
Ça me servait à quelque chose, les pierres de sang. Merde, à quoi? Non, c'est un là, c'est un fragment. Attends, les pierres de sang, les pierres de sang. C'était pas pour améliorer les armes, je crois. Ne me refais plus jamais ça, le mob. Oh. Waouh. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de vie, hein. J'ai beaucoup de vie. Ok. J'ose pas frapper aux portes, je sais que je connais pas la zone, je l'ai pas nettoyée, j'ose pas trop encore frapper aux portes, c'est histoire de pas me faire avoir dans le dos, quoi, comme un lâche. Oh. Ah, mais d'accord, en fait, je suis directement à la plage. Qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui brûle? On dirait... Oh putain. La mort? Voilà, qu'est-ce qu'on dirait? La mort? La mort chaude? Regarde ça un peu si c'est pas utile. Et regarde de loin. Ah merde. Attends, attends. Il faut que j'apprenne la portée. Voilà. Franchement, mais tu te la joues trop safe avec la canne. Par contre, l'effet canne, justement, je m'en sers pas du tout, quoi. Qu'est-ce qui va plus le me faire chier, ce mob ou les deux? Balle de vif argent, très bien. Bonjour. Voilà. Un item que je peux pas récupérer, bien sûr, ce serait trop beau. C'est quoi ce bruit? Bon, attends, on va aller voir ça après. Ok, donc là, il n'y a rien. Je peux pas frapper à ces portes. Oh. L'autre mob, il vient même pas t'aider. Voilà. Ah, mais il y a... Oh putain, mais il y en a encore plein. Oh là 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 là. Ça doit être pour t'apprendre à jouer avec les cailloux ou trucs comme ça, mais j'ai pas compris comment m'en équiper, je comprends pas, pourtant là je suis équipé. Ça, je comprends pas, putain. Il y en a encore, mais il y en a encore plein! Aïe! Saloperie de mob, oh putain. Connard, bon. Mais il y en a, regarde ça! Oh! Ah ouais, on est vraiment dans une ville, hein. Du coup, comment je vais faire? Comment je vais faire? En tout cas, j'ai vraiment beaucoup de points de vie, hein. Ça, c'est, ça se remarque, je le vois vraiment bien. Genre, des fois, je me prends des gros coups puissants et j'arrive encore à tenir debout. Ouais, non, non, ça, c'est cool. C'est une bonne classe de départ, je trouve, hein, vraiment. Équilibré et avec beaucoup de vie. Bon, ça va. Putain. Ouah non, oh, 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 ça c'est triché les gars. Putain de merde. Faut que j'aille me cacher, voilà. Ouah. Tu vas pas voir la fin du film. Voilà. Ah, je spam un petit peu R1, ouais, j'avoue. Putain. Boum. D'accord. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous voulez qu'on se tape la discute? Ah, objet en accès rapide. Ah, ben voilà. Mais alors pourquoi est-ce que... Bah ouais, ça sert à rien ces effets personnels alors. Allez, viens toi. Viens me voir. Il va me tirer dessus, il va me tirer dessus. Lui, il me casse les couilles, lui, à me tirer dessus. Je dois éliminer ce mec là. Ah! Waouh! Eh oh! D'où est-ce que ça sort ça? C'est nouveau, c'est neuf. Les vieilles attaques en traître comme ça là. Putain, alors lui il est costaud. Voilà. Tu dégages. C'était quoi? C'était les mobs qu'il y avait là-haut, je suis sûr. Les mobs qu'il y avait là-haut. Eh, hey, j'en ai pas terminé! Oh putain.
La différence entre le son et le moment où je l'ai touché. C'est des balles lentes ou... Voilà. Allez, on va reprendre un peu l'effet canne parce que je me sers trop de l'effet fouet, quoi. Même si c'est putain de jouissif en soi. Putain! Ok. Deux mobs. Fouet. On garde ses distances. Même si là, c'est pas du tout ce que je fais. Voilà. Aïe, 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 aïe! Oh putain. Ouais. Des fois, je me dis, je suis trop loin, ça touche. Et des fois, non, ça touche pas. Très bien. Bon, par contre, on gagne pas mal de fioles de sang, c'est un peu... En fait, c'est comme si on avait des gemmes de vie, ouais, y'a pas de... les fioles d'estus, les machins, ouais, non, tant mieux. Je préfère ça, moi. Ah ouais, c'est... T'entends le bruit, et après, tu... Enfin, je sais pas, c'est... regarde ça, c'est... les balles, elles sont méga lentes, je trouve. C'est pas automatique, c'est pas... Tiens, attaque. Allez, encore un coup, tiens. Bon, ceux-là, j'ai bien compris leur pattern, il est vraiment pas compliqué. Toi, là. Boum. Ah, mais putain! Je te jure, quoi. Cocktail Molotov, oh cool. Non, mais attends. Comment je fais? Comment je fais? Lui, je vais devoir lui tirer toutes mes balles dans la gueule pour qu'il pense à crever. Aïe! Oh, mais le bâtard! Ah! Ah! Oh, putain! Oh, y a du mob. Y a du mob. Ah, quelqu'un est mort? Le loup, il est mort? Pas compris ce qui est arrivé. Bon bah allez hein. C'est complètement débile de faire ça mais... Hop. Passage en mode dur. Le loup il s'est fait défoncer, j'ai pas compris. Est-ce qu'il serait pas allé dans le feu? Comme une espèce de gros attardé de chien. Ouais hein, je ne sais pas. Attaque puissante. Boum. Pourquoi y'a... Attends. Je crois que je viens de découvrir quelque chose. Boum. Merde. Est-ce qu'il faut relâcher la touche au bon moment et avoir un... Est-ce qu'on a un bonus de puissance? Rosée de nécro-sang. Bon. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je regarderai les items, leur description ou quoi, tu sais, pour être sûr de bien piger tout le truc. Bon, attends, avant d'aller là-bas, puisque ça a l'air d'être la continuité du niveau. Parce que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Putain. Bon, il y a quelque chose derrière. D'accord, c'est indéniable, il y a vraiment un truc derrière. Génial. Ça donne follement envie d'y aller. Balles, bien. Oh bah j'ai récupéré plus de balles que ce que j'avais, ça va. Bon, apparemment, il y a rien. Personne à qui parler ici. Ok. Ah non, ça a l'air d'être bon. Ok, zone dégagée, zone clean. Je crois que j'ai tout vu ce qu'il y avait à voir. Alors, attends, c'est quoi ce machin? Je vais regarder. C'est... Putain, c'est bien ce que je pensais. Hein. Je me disais, on dirait qu'il y a une mâchoire, mais ouais, non, c'est un loup-garou. Ah. Oh. Putain. Après, va savoir si... Quand est-ce qu'ils l'ont brûlé, si il s'est transformé après, si... Va savoir ce côté scénaristique du jeu. Ok, putain. J'aime pas ça. Fragment de pierre de sang. Okay. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo sera un peu plus longue que les autres. Hein. Voilà, elle durera ce qu'elle durera comme temps. Les prochaines seront beaucoup plus courtes. Quand je dis beaucoup plus courtes, c'est-à-dire... Je vais vraiment essayer de faire entre 45 minutes et 1 heure de... Voilà, tout dépend, mais voilà, 1 heure gros max par vidéo. Parce que sinon après ça fait vraiment trop et j'aurais pas le temps de tout enregistrer quoi. Donc voilà.
tout dépend le moment. C'est-à-dire que si je vois au bout de, si vous voulez, si j'en suis à 50 minutes, je vais pas me lancer dans un nouveau niveau si j'en suis à la fin de celui-là, quoi. On va faire les choses bien correctement. Tiens. Stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. Ok, sympa. Ok, c'est elle que t'entends rigoler, t'entends glousser comme ça. C'est le mec comme ça. C'est qui glousse comme ça? Qui c'est qui sonne ma gueule? Oh, mais je préfère le mode fouet, hein, franchement. T'es un landau, t'sais. Oh putain, j'avais pas vu les nuages. Y'a un mob. Y'a un mob quelque part. Oh putain. J'ose pas l'emmerder celui-là. J'ai peur que ça fasse comme l'autre gros là. J'ai pas trop le feeling avec les gros mobs en fait. Donc je vais peut-être attendre. Et je vais peut-être attendre un tout petit peu. Parce que là ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Des ravens. Mes amis corbeaux. Mais oui, je vais vous libérer de ça. Voilà. Allez, chut. Ils sont trop bien faits. Ils sont super bien faits. Ah, j'aime bien. Un peu aliasé, mais... Ah, mais ils sont bien faits, hein, je trouve. Ah, cool. Oh, putain, il y en a un autre. Non, je ne t'ai pas oublié. Oh, putain, il y a un item. Jarre d'huile. Bon, bah, comme quoi, c'est utile de péter les éléments. Mais ça fait baisser la durabilité de mon arme. Alors, j'ai pas trop m'amuser à faire ça sur tous les trucs. Si on était dans un Dark Souls 2 ou quoi, ouais, je le ferais, mais vu que là, il n'y a pas beaucoup de checkpoints, ça aurait été Dark Souls 2, là, honnêtement, je suis sûr qu'il y aurait déjà eu au moins 2 checkpoints depuis. Il y a eu beaucoup de mobs, en fait, c'est pour ça que là, j'ai pas trop envie de mourir. Mais bon, arrivera ce qui arrivera. Hein. Personne qui va me sauter dessus. Je sais pas, je vois un item gratuit, une grille ouverte, une autre fermée. Rosée de nécrosant. À quoi ça sert ces rosées de nécrosant? Inventaire. Rosée de nécrosant permet d'obtenir des échos du sang. Ah, les rosées de nécrosant, c'est les petites âmes, quoi. D'accord, ouais, enfin, c'est d'accord. Un concentré de puissance qui me permettra d'augmenter en niveau. Très bien, bah, je les utiliserai une fois rentré, je dirais, parce que là. Ah, j'aurais cru, là. J'aurais cru qu'il y aurait quelque chose. Oh putain, pas de mécanisme, rien. Putain, mais à chaque fois je suis de l'autre côté des portes. Ça fait 30 ans que j'ai pas croisé de mob, on est d'accord. Putain, c'est quoi ça? Encore un toutou. Est-ce que je me le fais en mode... S'il y en a qu'un. Oh putain, non, il y en a plus. Comment je me sers du galet? Doit être carré. The fuck, mais ils peuvent pas nous mettre moins de mobs là. Bon, le jeu il est un peu difficile. Ouais, bah forcément, si tu me mets à chaque fois 10 mobs d'un coup, ouais, je vais un peu galérer. Hein. Il faut la jouer fine. Voilà, bon bah j'en ai attiré. Hein. Chien. Je hais ce genre de mob. C'est le genre de mob, clairement, il est pas fort, mais il tape quand même un minimum. Enfin, il fait un peu mal quand même. Et puis ils sont toujours en bande et ils esquivent toujours tes attaques. Je déteste ce genre de mob. Ouais, putain. Ah putain! J'étais concentré sur le. Sur autre chose. Ah, mais. Ok. Mais quand est-ce que je t'ai attiré? Quand est-ce que j'ai attiré le gros plein de merde? Je sais même pas où est-ce qu'il est maintenant. Oh bah tu sais quoi, hein. Je vais récupérer mon doux, hein. Une torche, très bien. Et un cocktail molotov. Et je peux pas ouvrir la porte, ok. Merci, hein, j'ai pu récupérer les trucs sans te tuer. Il est passé où maintenant?
Nous avons un mob extrêmement agressif en liberté. Bon. Ok. Venez, venez, venez. Voilà. Oh, ça m'énerve quand les mobs, il leur reste un point de vie. Le 1 PV. Est-ce que le 1 PV est réel dans ce jeu? On verra. Dans Dark Souls 2, en tout cas, c'était n'importe quoi. Sérieusement, mec, tu vas rester là-bas? Alors le mob? Qu'est-ce t'as cru? T'as cru t'étais quelqu'un, mais non! Raven était quelqu'un, Raven était là pour te niquer! Et ouais! Oh putain! Oh, je l'ai bien eu! Oh, je suis content, je pensais pas le one-shot là! Il doit être sensible au contre, je sais pas. Et toi? J'aurais pas dû construire. Ah putain, c'est bon. Il reste plus que le chien. Eh ben j'aurais tué même le gros! Ha! Alors qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Pas mal, hein? Merde. Aïe! Saloperie de chien! Voilà. Je récupère ce qui est à moi. Encore des fioles de sang? Oh bah putain. Bon, bah. Hop. Alors. On a un puits. C'est quoi? Est-ce que c'est encore... Oh putain. Ouais, j'ai un petit peu de sang sur moi là, il va falloir que j'aille y passer un peu au lavage, hein, la machine, 30 degrés, voilà, ça devrait passer. Avec un petit peu d'adoucisseur, tout ça, voilà, non, ça devrait être pas mal. Par contre, les chaînes, la brillance des chaînes, elle fait un peu, regarde, ça brille pas, ça... là je brille pas, ça fait un peu bizarre. Mais c'est des poches de sang ça, sans déconner. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Par contre... Pas attirer ces mobs. Ne pas attirer ces mobs. Je suis une fougère. Je suis une plume. Voilà, ça irait mieux. Hein. Je suis déjà passé par là ou pas? Impossible. Clairement impossible. Fragment de pierre de sang, très très bien. Autre chose. Voilà. Voilà. Très très bien. Ah, je suis content, j'ai découvert un premier truc vite fait secret. Mais attends, là je vais où, bordel? Il doit y avoir un raccourci quelque part, j'aimerais bien le découvrir. Je sais pas, là, j'ai beaucoup avancé. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de raccourci en fait. Ça m'étonnerait vraiment. Fragment de pierre de sang. J'aimerais bien réparer mon arme, j'aimerais bien. Déstress un peu en fait. Des galets, voilà tout ça. Voilà, tu as fait tout ça pour des galets, génial! Je vais lancer une collection de cailloux. Qui deviendra ensuite une collection de rochers. Ah. Alors je peux revenir par là. C'est bon. Oh! What the fuck? Est-ce que tu viens d'apparaître, petit poteau? Fragment de pierre de sang, ok. Qu'est-ce que... Putain, on pourrait presque croire que je peux y aller, mais en fait non. Vraiment si je casse. Pas de raccourci quoi, je suis vraiment baisé. Bon bah. Ok. Putain. Non, sérieusement, je flippe là. Allez, go.
Oh là 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 là. Bon. Attendez, attendez, parce que si je retourne ici, ça ne sert à rien. On est d'accord. Là, je tombe, voilà, super. Je reviens devant la grande porte. Ok, au moins je vois à peu près où est-ce que je suis. Là, je suis repéré, hein, non? Pour l'instant, ça va. C'est pas très compliqué, c'est assez linéaire. Mais c'est normal, c'est le début du jeu, j'imagine. Là, y a rien. Bon, la seule chose qui s'offre à moi, c'est vraiment de passer dans ce coin-là. Bah, allons voir ce qui nous attend, mais si c'est pas un raccourci, waouh, ça commence à faire beaucoup de distance là. Après, je sais bien qu'il y a eu Demon Souls avant, mais Demon Souls justement était très très gavant pour ça. C'est ce qui m'avait fait un peu. Attends, on peut pas activer des passages secrets? Je sais pas, ça. Je sais pas comment ça pourrait s'activer un passage secret dans le jeu. Je sais même pas s'il y en a. Pourquoi je le sens pas? Pourquoi je sens qu'il aurait mieux fallu que je reste. Oh là là là, ça sent pas bon. Attends, tu peux remonter par là. Ok. Bon, non, non, remarque, si on peut remonter. Ah, mais du coup, maintenant que je suis là, en fait, je suis baisé. Non, attends, je peux redescendre par là. Hop. Ok. Je sais pas trop par où passer là, très sincèrement. Ok. Ouais, aussi je peux faire des roulades dessus. Là, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Waouh! Je la sens pas cette zone. On dirait vraiment une nouvelle zone. On dirait pas comme un raccourci ou quoi. Regarde-moi ça, il y a des rats, il y a des mobs que j'ai jamais vus. Ça, non, ça a pas l'air d'être un raccourci, honnêtement. Bon, bah, il n'y a pas de raccourci, ça veut dire. Non! Oh! Voilà, on reprend la difficulté de Demon's Souls qui m'avait fait abandonner le jeu à l'époque, mais après, évidemment, j'avais repris. Hein. Mais ouais, pendant un moment, j'avais abandonné à cause de ça, quoi. Les niveaux beaucoup trop longs, en fait. Bah après une fois que tu les connais ça, mais il y a beaucoup trop de mobs. Sérieusement pas de raccourci que dalle quoi. Putain les mecs. Bon bah. Fuck that shit. Eux en fait à ce qui paraît ils sont très forts. Je vais essayer d'en attirer un. Si j'en attire un vers moi, ça devrait bien se passer. En termes de logique. Oh putain, 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 on recule, 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 recharge ton endurance, recharge ton endurance. Je l'ai étourdi? Putain, j'ai pas compris. Ah! Oh non! Bon. Fuck it! Fuck it. Ils ont l'air très très puissants, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Oh putain! Attends! C'est quoi ça? Un raccourci! Je le sais! Je le sens! Ou pas! Putain! Ah! Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Ok, il peut pas rentrer, il peut pas rentrer. Calme-toi! Il y a deux mobs. Le fouet peut les gérer, sauf s'il y en a un sur le côté. Vite, vite! Non! Trop tard. J'ai perdu un peu de vie. Oh. Oh. Mon cœur. Mon cœur bat. Oh là là. Tu sais, c'est genre, il a pas l'habitude. J'ai pas l'habitude. Oh là 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 là. Putain. Regarde ça! Ah bah j'ai bien fait de me méfier de ce mob. Allez, attends. Par contre là, j'y vois vraiment rien. Alors attends, comment je fais pour activer la torche? Hop. Ok.
Non, allez, on passage en mode dur. Ah, ça fait vraiment pas de dégâts en fait. Bon. Ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouvrir la porte. Il ne s'ouvre pas de ce côté. Quoi ? Quoi ? Mais est-ce que vous vous foutez de moi ? Alléluia ! Alléluia ! Bon, peut-être que j'ai activé quelque chose. Ah ouais, je m'en souviens de ça. En gros, si tu récupères... Ah non. C'est génial, ça. Ah, ça, je connais ça, ça. Mixture acre à base de sang. Une mixture acre à base de sang. Quand la chasse a commencé, l'église du Romaine nous a abandonnés. Ils ont barricadé le grand pont menant au faubourg de la cathédrale et ont brûlé le vieux Yharnam. D'accord, ok. Merci pour ce petit cours d'histoire. Bon. Par contre, là, la torche, elle est vraiment utile. J'ai l'impression que sans elle, t'y vois rien, quoi. Ouais. Chose me dit que je suis encore loin. Ah, putain. Alors, par contre, dans les endroits comme ça, ouais. Dans les endroits exigus, la canne... est mieux. La canne est mieux. Nota bene, quoi. Ok, donc là y a rien. Là y a un item. Et là. Il y a encore plein de mobs. Est-ce que j'arriverai à avoir un raccourci un jour? Fragment de pierre de sang. Oh yes. Non, ne me dis pas. Ah, c'est... je commençais à me dire, il n'y a pas de levier. Non, c'est là. Oh! Alors là? Là, on parle! Bon. Eh ben écoutez, retourner dans le rêve du chasseur. J'ai deux possibilités de chemin. Même trois? Non, j'en ai trois de possibilités de chemin. J'ai là où il y avait encore quelques mobs en vie. J'ai le passage sur le pont. Et j'ai le passage en bas. Avec les rats et tout le bordel. Ok. Eh ben c'est pas mal, hein, franchement, là, on est sur quelque chose de sympa. Hein. Ah, rêve du chasseur. Je vais continuer sur le pont, hein. Je connais un peu le pont, je sais ce qu'il y a là-bas. Donc je vais continuer encore un petit peu cette vidéo juste pour ça, parce que je... Ah, il est plus là, le vieux. Il est où? Bon. Il s'est barré. Il s'est dit que ça servait à rien de m'aider. D'accord, ok, j'ai toujours pas l'outil... Attends, parce que d'abord, réparer. Fortifier. À moins que fortifier l'arme la répare en même temps. Alors. Je peux améliorer ma canne fouet. Comment ça se fait que. Ah, mais. Bonus d'attribut. Attends, je les avais déjà ces bonus avant ou. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bonus de dés en inventaire. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un bonus de dés en... Ah ouais, non, en truc. Ok. Bon, aucune raison de ne pas le faire, en fait. Fortifié. Là, ce que je fais, c'est grâce à quoi? Par la sainte magie de qui? 0 sur 1. Attends, je peux le faire ou je peux pas le faire? Requis, fragment de pierre de sang, 3 sur 6. J'en ai 6 et il m'en faut 3, c'est ça? Ok. Ça veut dire qu'il va m'en manquer une si je veux encore l'améliorer d'un coup. Ok. Utiliser 200 échos du sang et 3 fragments de pierre pour fortifier. Ouais, s'il te plaît. Voilà, pas mal. Ah, il m'en faut 5 maintenant. Waouh, putain, ça rigole pas. Ok, bon, ma canne fouille est bien meilleure maintenant. Ah, je suis content. Ok. Donc ouais, ça se trouve, en fait, j'aurais dû la fortifier tout de suite et ça l'aurait peut-être réparé dans la foulée. Il me semble que ça faisait ça dans les autres jeux Souls, mais j'ai un petit doute. Je sais toujours pas comment monter. Pierre tombale de l'éveil, est-ce que c'est ça? Pas d'endroit où se réveiller. Okay. Est-ce que c'est les différents niveaux du jeu? Ah. Ça serait bien. Ça voudrait dire qu'il y a une grosse durée de vie. Mais je sais toujours pas comment monter niveau, là, ça me gave. Putain! J'ai déjà tout ça en item. Waouh. Eh bah, sacré nom de Dieu.
Ouais, ça aurait été bien là pour monter de niveau, mais non, je peux pas. Là, on dirait bien en plus, tu sais, ça fait une espèce de prière, lieu de prière ou quoi. Non. Bah, écoute. Je sais pas si c'est normal, je peux pas encore monter de niveau ou j'ai pas trouvé comment on faisait. Centre de Yharnam, s'il te plaît. Donc, on va repasser par la maison, repasser par le pont et aller voir. Hein. J'imagine que c'est le même pont dans les trailers, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. On va voir, putain. Oh. En tout cas, c'est un super jeu. Hein. Là, pour l'instant, c'est de la pure découverte. Je me doute que jusqu'au premier boss, c'est encore un gros tuto. La toute petite déception que j'ai pour l'instant, outre les temps de chargement, c'est le fait qu'en fait, j'avais l'impression que dans chaque petite zone que je faisais, dans chaque portion du niveau, j'avais l'impression qu'il mettait genre 7-8 mobs d'un coup comme ça. Donc c'est pour nous forcer à utiliser des galets, machin. Ça, je dis pas non, mais c'est une fois ou deux, tu sais, dans un même bout de niveau. Mais pas à chaque petit bout de niveau, quoi, c'est juste chiant. Voilà, c'est mon petit truc là pour l'instant, je kiffe pas trop, quoi. Tiens, tu ne m'attaqueras pas! Bon. Maintenant que ça va. Par contre, notre équipement, il a pas l'air d'être usé. Enfin, j'ai pas vu de pour fortifier l'équipement, donc. Et on peut pas le fortifier aussi, l'équipement. Moi, j'ai rien vu sur ça. On va passer par la maison. Oh putain. Ouais. Bonjour, monsieur. Ah putain, je voulais tenter un petit backstab là. Un petit backstab des familles. Tu me lâches rien, bien sûr. Bon, très méchant. Tu es vilain. Ouvrir la porte, bon, j'imagine que c'est ailleurs. Ah! Ah, ah saloperie! Oh, bonjour. Je vais attirer les mobs par là, ça devrait pas attirer les. Merde! Je vais mourir comme une merde là. Oh la mort de lâche! Mais non, ça va. D'accord. Ok. Ok. Oh. Tiens, meurs. J'ai envie de garder mes balles, donc je vais pas les utiliser contre toi, l'ami. Et les corbeaux, je les laisse en vie. Je sais ce qu'il y a là. Musique. Ok. C'est pas le moment, Will. 59 000. Là, je suis un peu occupé. Ah, la bête. Boum. C'est ça. Sois sage et déguste. Ha ha. Eh ouais, ma grosse bête. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouah! Mange! Elle a l'air de pas être très contente, la bête. Ok. On va la faire tout doucement. Je pense que tu es forte parce que t'es grosse et moche. Ah. Putain de bordel. J'arriverai pas à lui faire un critique. Allez. J'ai plus de balles. Oh that shit. Bon. Eh ben j'ai l'impression qu'on va devoir se la faire comme un homme. À la régulière. Au cocktail. Boum. Ah! Ok. Aïe! Je lui fais pas de dégâts, oh.
Attends, il me semble qu'il y avait des balles quelque part. Là! Sauvez-moi! Puis ça aussi, sauve-moi. Il doit y avoir un moment où attaquer avec les balles. À quel moment? Le timing, putain! Boum! Tiens, un coup. Arrgh. Mais c'est le même timing que les mobs en fait, ça se trouve. Arrgh. Non! Oh! Oh, le APV! Le APV réel! Le APV réel, putain! Alors! Tu affrontes le roi du APV, incontesté sur Dark Souls 2. Et incontestable. Ah, mais c'est parce que ça vise pas sa tête aussi, là. Un coup sur 10, ça vise sa tête. Boum! 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 Putain! Regarde ça, ça fait rien! J'ai plus de balles! Ok. Cocktail Molotov! Je veux pas que je te batte avec... Oh, putain, par contre j'ai plus de vie, en vrai, donc... Là. Aïe! Il va me briser les jambes! Putain, mais je fais plus de dégâts avec un cocktail Molotov qu'avec... Tiens, mange, déguste! Et avale! J'aurais peut-être pas dû lancer un cocktail maintenant! Maintenant! Ah, what? Ah, mon cocktail! Ah, j'ai plus que des galets! Je vais gagner en utilisant la toute-puissance du galet sauvage! Tu ne peux rien faire contre moi, tu le sais! Je consomme trop mes trucs de vie, mais pas grave, j'en avais 20. Il faut que j'attende la fin d'un combo. Attaque-moi! Tu l'oses. J'ai plus mes cocktails Molotov, il lui reste très peu de vie, mais je lui fais aucun dégât. Avec cette musique, mais cette musique! Ah! Saloperie de bestiole! Je vais te renvoyer d'où tu viens. Mais ça fait une... Je comprends pas bien, on dirait que ça décide comme une roulade. C'est n'importe quoi. Oh, ça c'était très bon. Tu peux le refaire? Évidemment, non. Ok, ok. Vas-y, viens. Attaque-moi, attaque-moi. Putain. Au corps à corps, Ah! Putain! Voilà. On se soigne. Taste the booyah! First try! Bim! Oh yeah, bitch! Taste the motherfucking booyah! Monstre clérical. Badge de chasseur épée. Wouh! Eh ben... J'ai totalement foiré le boss. On est d'accord, j'ai quand même réussi à faire un critique, mais... T'es après, il reprend la canne et tout. Ah, je boite un peu. Oh là là, à un moment, il m'a pété les jambes, ça s'est trop vu. Il a tapé au niveau des genoux, dans une attaque horizontale. Genre... Génial, quoi. Sublime. Superbe combat de boss. Waouh. La musique, quoi, la musique. Oh, si la bande-son, elle est comme ça pour tous les boss, même si c'est la même, je m'en fous. Elle est épique, cette musique. Waouh, génial. Allez, est-ce que cette fois, je peux enfin monter niveau... Tiens, j'ai gagné 4 petits trucs, c'est quoi? J'ai 4 petits œils. C'est quoi ce petit œil? Il faut que je regarde. Oh, putain, génial. Eh ben, pour une première vidéo, waouh. Sublime, là je peux pas faire mieux, hein. On a fait tout début. Oh, la poupée! Mais vous êtes vivante?
Oula, ouais, c'est vrai que t'as l'air moins livide que tout à l'heure. Hello, good hunter. Salut. I am a doll. J'ai remarqué. Here in this dream to look after you. Honorable hunter, pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. Canaliser les échos du sang, à quoi ça sert? D'abord, on va te parler. You speak with German. Ouais, German, je le connais, c'est un bon pote he à moi. He was a hunter long, long ago, but now serves only to advise them. He is obscure, unseen in the dreaming world. Still, he stays here, in this dream. Such is his purpose. C'est vrai, j'aurais bien aimé te demander de qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce que c'est que cette merde, mais bon. Ah, the little ones, inhabitants of the dream. They find hunters like yourself, worship and serve them. Speak words they do not. But still, aren't they sweet? Je vais être baisé par contre pour la suite du jeu parce que j'ai plus du tout de balles, j'ai beaucoup moins de... Oh non, les trucs de sang encore ça va, mais c'est pété, tu peux en avoir 20 rapidement quoi. Enfin bon. Utilisez des échos du sang pour augmenter vos stats et passer au niveau sup. Well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now tu veux m'embrasser? Oh, oh là, oh là, oh, oh, qu'est-ce que tu me fais? Ah d'accord. Donc, c'est elle qui donne des niveaux. Ah, il faut de la lucidité. C'est de la lucidité. Qu'est-ce que c'est de la lucidité? Enfin non, mais je sais bien ce que c'est de la lucidité, mais je veux dire en tant que tel, en tant que stat. Alors j'avais dit, un point en endurance. Attends. Ah d'accord, ok. C'est... Hein? Je peux monter que... Ouh, ouh. Fous-toi de ma gueule! Hein? Que d'un niveau? Sérieusement? Ah non, putain, j'ai cru. J'avais pas compris. Ah, oula. Attends. Mais c'est complètement débile. Ils te disent directement ce qui reste. Ah, d'accord. Et en dessous, c'est ce que ça consomme. Ah, d'accord. Ah, putain, j'ai eu peur. Je croyais que ça consommait tout. Tu sais, je voyais un chiffre. Pour moi, le rouge, ça veut dire c'est pas bien. Hein. C'est... On est pas mal comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? 14 de vitalité, 12 d'endurance, 12 en force, 14 en compétence. Quoique pour l'instant, la force, est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je mettrais pas un peu de... Ouais, on va peut-être se mettre encore un peu de vitalité, histoire d'être complètement cheaté. À moins qu'on se mette encore ça. Non, 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 on va améliorer l'arme, justement. On va essayer de l'améliorer, donc du coup, c'est pas... Oh, j'étais bien, remarque, comme ça. Allez, non, on va se mettre quand même un peu de vitalité. Confirmer, ouais, s'il te plaît. Ouais, j'en ai plus maintenant, des coups du sang, mais... C'était un risque à courir. Merci, petite poupée. Ok, donc c'est tout ce qu'elle me dira. À partir. Ok, alors... Oh. Votre lucidité sonnait la cloche d'appel pour demander la coopération de chasseurs. Ah, tu m'as pris pour quoi? Non mais oh, pas de coop, hein. On fait le jeu légitimement. Les silences mettent un terme à ces formes de coopération. Cloche d'appel, silence. D'accord, donc c'est, ouais, c'est pour la coop. Ah, donc t'es vraiment obligé de te démerder tout seul comme un grand au début. Non pas que ça me dérange, mais... Atelier. Réparer. Attends, déjà on va voir si je peux pas les fortifier de base. J'en ai pas. Bon, eh ben réparer alors. Voilà. Très bien. Donc ici ça sert à rien. Ah, hôtel du souvenir, est-ce que... Non, non, j'ai toujours pas... D'accord, je peux toujours pas me servir de ça. Et là, c'était quoi déjà? L'inventaire. Bon, je peux balancer les trucs inutiles ici. Oh. D'accord, mixture de sang, vieillie lancée pour attirer les monstres. Ah, d'accord. Bon, et bah parfait. Et bah franchement, c'est pas mal, hein. Je pense que...
pour une première vidéo, une preview, on va dire, de ce qui va vous arriver, de ce que vous allez voir prochainement. C'est pas mal. Là, honnêtement, on est sur quelque chose de vraiment très très sympa. Je vais regarder quand même. Alors, afficher. Je voudrais regarder en fait ce qu'il y a écrit par rapport aux items. Alors, ouais. Lorsque cette jarre atteint sa cible, celle-ci recouverte d'huile. Nanana. Ouais, donc là, les trucs comme ça. Que peu d'exemplaires. Yarnam produit plus de sang que d'alcool. Les effets enivrants de ce dernier étant moindres. Ouais. Petit galet. Goutte de nécro-sang contenant des échos. Permet d'obtenir des échos de sang. Les chasseurs vivant dans le rêve reçoivent de la force grâce aux échos qui injectent en eux un sentiment de vénération et même de gratitude envers leurs victimes. Ok. Je trouve, remarque, si j'en consomme maintenant, je sais pas combien ça va m'en donner en fait. Non, ça me donnera jamais assez pour atteindre les 1800 nécessaires pour atteindre un nouveau niveau. Grande cloche, nanana. Bon, y a pas l'air d'avoir grand chose d'écrit. Grande cloche découverte dans le labyrinthe souterrain. Alors, découverte dans le labyrinthe souterrain. Ce qui font référence au calice. Son timbre, capable de résonner à travers les mondes, fut utilisé par le premier chasseur pour appeler ses congénères des autres mondes afin qu'ils viennent lui prêter main forte. Pour pouvoir sonner cette grande cloche, les humains doivent en payer le prix en termes de lucidité. Mais les bénéfices de la coopération sont nombreuses. Ça te prend de la lucidité? Ah, mais sans lucidité, je peux pas parler à la demoiselle, si? C'est étrange. Les chasseurs sont liés par la résonance de cloche au timbre encodé. Ce son inaudible empêche cette résonance d'activer cet objet pour mettre fin à la coopération. N'empêche pas la résonance d'une cloche sinistre. Ouais. Rune accrochée à l'envers, gravée dans l'esprit de son porteur. Symbole d'un chasseur. Ah. Le chasseur qui se concentre sur cette rune perd tous ses échos du sang, mais se réveille en parfaite santé comme si tout n'était qu'un mauvais rêve. Ah, c'est le... D'accord, ouais, ouais, je vois ce que c'est, je vois. Tu perds toutes tes âmes, mais... Enfin, les échos du sang, pardon. Mais il faut vraiment que je m'habitue à ce terme. Hein. Mais par contre, désolé, hein, dextérité et compétence, non, 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 c'est de la dex, on est d'accord. Carnet. Les messagers habitent le rêve et révèrent les chasseurs. Utilisez-les pour faire parvenir des messages à notre monde, confier des notes... Ok. Donc, fragment de pierre du sang, fragment formé, nanana. Après la mort, une substance présente dans le sang se solidifie. On appelle pierre de sang la partie qui ne se cristallise pas. À l'atelier, ces pierres de sang sont intégrées dans des armes afin de les renforcer. Ok. Badge de chasseur épée. Ça sert à... Ça, c'est ce que j'ai obtenu en tuant le boss. Ça peut être intéressant. L'un des badges créés par l'église du remède. L'épée symbolise un chasseur de l'église. D'accord. Ludwig fut le premier des nombreux Ludwig fut le premier des chasseurs de l'église du remède à arriver. Bon nombre d'entre eux étaient des prêtres qui devinrent les plus effrayants des monstres. D'accord. Qu'est-il arrivé à ce Ludwig? Est-ce qu'on le croisera peut-être un jour? À moins que c'est la bête qu'on a croisée. Oh. Une des armes trompeuses de l'atelier, ordinairement utilisée par des chasseurs en mission. Redoutable sa forme rigide de canépée. Elle fait office de fouet lorsque sa lame est divisée en plusieurs lames. Dissimuler l'arme à l'intérieur de la canne et flagelle les monstres avec le fouet constitue une sorte de rituel qui rassure le chasseur sur l'intégrité de leurs âmes. Ok, donc là j'ai le pistolet et la petite torche. Eh ben écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal tout ça. Capuchon. Il s'agit peut-être d'une tenue d'origine étrangère portée par un voyageur venu de loin. En l'absence de souvenirs, qui peut le savoir? Sympa. Et là, j'ai rien. Tiens, il y a un truc spécial Calice, d'accord. Bon. Eh bien voilà les amis, je crois que vraiment là, j'ai fait tout ce que je voulais faire pour une vidéo. Bon, il y a eu finalement pas énormément de gameplay pur, mais quand même. Vous avez une grosse vidéo, donc comme j'ai dit, les prochaines sont beaucoup plus courtes, sinon j'aurai jamais le temps de vous sortir les vidéos à un rythme régulier. Je vais essayer de les sortir tous les jours, hein, je promets rien, je vais faire comme Dark Souls 2. Je promets rien, mais je vais essayer d'en sortir tous les jours. Donc voilà, à peu près d'une heure, peut-être un peu moins, comme j'ai dit. Ce serait plus simple si c'est moins, comme ça ce sera plus rapide à uploader, plus rapide à encoder, voilà, ce sera plus rapide pour tout. Je vais voir comment je me démerderai. Mais le problème c'est si je mets qu'une demi-heure à chaque fois, on va y passer 3 mois sur le jeu, donc... Ouais, faut quand même qu'on avance. Hein. Allez, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Hein, si... Mettez un pouce vert d'ailleurs. Enfin, fallait le mettre dès le début si vous aviez. Si vous vouliez. Comment je pourrais dire? Si vraiment Bloodborne vous plaît, voilà, je vais retrouver mes mots. Si le simple fait que je joue à Bloodborne vous plaît, je sais que
énormément de monde attendait des vidéos sur Bloodborne. Franchement, je recevais des messages presque. Là, depuis peut-être un mois, presque tous les jours, hein, je recevais un petit message de à quand Bloodborne? Ou vivement Bloodborne. Ça, j'en ai eu énormément. Donc, merci à tous pour le soutien, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous manifester via les commentaires, à dire que vous êtes là, que vous me suivrez ou pas. Ces aventures, est-ce que vous avez le jeu? Quelle arme avez-vous utilisé? Est-ce que vous avez galéré comme moi au début ou... Enfin, j'ai pas tant galéré que ça va, mais. Est-ce que vous avez galéré quand même au Cleric Beast ou pas du tout? Est-ce que voilà, n'hésitez pas à discuter sur le chat ou à pourquoi pas donner des conseils pour les débutants. Hein, ça, ce serait vraiment bien parce que j'aimerais pourquoi pas sur d'autres personnages peut-être faire d'autres vidéos de guides ou de je sais pas de tutos, peut-être plus de tutos en quelques minutes, hein, 2-3 minutes pas plus, juste pour répondre à une question précise ou voilà, ce serait pas mal, hein, ce serait vraiment bien à voir. Hein, donc selon. Si ça vous plairait ou pas, je verrai, donc voilà. Allez, à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour votre vidéo de Bloodborne, donc normalement dès demain. Allez, salut tout le monde! And don't forget to taste the booyah! Oui, pour l'instant, c'est un peu pauvre, hein. J'ai pas trouvé la touche pour... Ah merde, ça c'est cher. J'ai pas trouvé la touche pour faire des emotes, en fait, donc là j'ai l'air d'un con. Peut-être en restant appuyé sur croix, je sais pas, non. Je sais pas où c'est les emotes, je suis désolé. Faudra me le dire pour les prochaines. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!